Chers amis de Météor Le Mag, bonjour à toutes et à tous. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais parfois il faut donner de sa personne. Et encore, j'étais tranquille sur le déguisement. Nous sommes à la veille de Pourim, et comme vous pouvez le voir, ici en Israël, et ici tout particulièrement à Ashdod, tous les GAN et toutes les écoles se réunissent ici. Ils viennent déguiser et c'est la fête. Alors venez, on va voir un petit peu qui est déguisé en quoi. Ou plutôt qui est déguisé en qui. C'est parti. Alors vous êtes déguisé en quoi aujourd'hui? Il fait grève ton costume? Complètement, il est parti se reposer mais il va revenir tout à l'heure. Et bah c'est pas grave, Pourim Sameach. Pourim Sameach. On va passer dans quelle chaîne? C'est marqué, regardez. Ah Météor, bah voilà, Météor, il fait beau en plus. Météor. Voilà, vous l'avez compris, Météor, il fait beau. Bonjour. Et voilà, c'est ça, Jod, c'est ça la fête, c'est ça Pourim. Pourim Sameach. Alors moi, je dis à tous les Juifs et tous ceux-là qui sont pas en Israël, venir en Israël. C'est très bien, regardez la liberté, tout le monde se déguise, tout le monde fait les fêtes juives. Qu'est-ce que vous avez à faire en France? Voilà, qu'est-ce que vous faites encore en France? Venez ici, venez en Israël, fais bon vivre. Wow, il y a une baignoire ambulante, une baignoire Ambatia. Alors je vous rappelle, nous sommes ici à Ashdod en Israël et j'ai rencontré le Crédit Lyonnais. Voilà, vous l'avez vu, les Français et les Israéliens cohabitent ensemble pour Pourim. Tout le monde s'est déguisé, tout le monde a joué le jeu et toute l'équipe de Météor Le Mag vous souhaite Pourim Sameach.